Ma deuxième journée de voyage dans les Troulots commence par la zone de Troulots de Yongding. Et là se trouve l'un des Troulots les plus connus en Chine, le Troulot de Chengxi, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. Derrière cette bâtisse gigantesque, il y a de petits secrets moins connus du public, illustrant l'intelligence du peuple Hakka. Secret 1, toutes les pièces ne sont pas destinées aux habitants. Si l'on le regarde vers le bas, nous constatons qu'à part le mur et la façade, il comporte également trois couches de murs circulaires à l'intérieur et un temple familial au centre. Les pièces de la deuxième couche circulaire sont des chambres pour les invités et celles de la troisième couche étaient autrefois des écoles pour les filles de la grande famille. Secret 2. Pour éviter tout risque d'incendie, les habitants ont l'habitude de garder une cuve à eau pleine devant la porte de leur chambre. Sachez que les pièces sont en bois, ce n'est donc pas une vaine de précaution. Secret 3. Au rez-de-chaussée se trouve un grand puits commun. Savez-vous à quoi sert cette fenêtre ouverte au-dessus de ce puits? C'est pour faire entrer la lumière de la lune et ainsi éclairer un peu les gens qui puisent de l'eau dans la nuit. Dans le Troulot de Chengxi, comme dans d'autres Troulots de la province du Fujian, il y a bien d'autres secrets à vous de découvrir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un petit clic, un petit like. Et si vous voulez plus d'infos de voyage, de lifestyle et de gastronomie en Chine, abonnez-vous à ma chaîne Lina Weiwu. À la prochaine!